maintenant, rien ne peut nous arrêter. Désolé de vous dire ça, mais c'est la fin de l'aventure pour vous trois. Comment vous avez su qu'on viendrait ici? C'est grâce à votre gentille amie à roulette qu'on le sait. Vous allez avoir affaire à moi et à mon swing si vous avez touché ne serait-ce qu'un cheveu de sa belle crinière. Mais attends, on lui a pas fait de mal, on a tiré sur la ficelle et elle a tout raconté. Oh non, c'est pas vrai, on était si proche du but. Oh non, c'est pas vrai, on était si proche du but. Je suppose que vous êtes là pour me rencontrer. Oui, monsieur. Vous êtes bien le fabricant de jouets? Pour vous servir, les enfants. Vous savez aussi réparer les jouets? Oui, ça devrait aller. J'en ai rafistolé plus d'un durant ma carrière. Je dois vous avouer que je n'ai pas été conçu en tant que jouet. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Tu es une décoration de Noël et tu es légèrement fragile. Mais au fond de toi, tu as le cœur d'un jouet. Et c'est ce qui compte le plus, crois-moi. Nous avons fait un long voyage pour vous trouver et vous demander de nous aider. Je connais la raison de votre présence. En fait, je sais beaucoup de choses sur vous. J'ai suivi le fil de vos aventures depuis bien plus longtemps que vous ne le croyez. Vous avez besoin d'un coup de main pour vous débarrasser des chats? Je crois avoir la solution qu'il vous faut. Savez-vous ce qui est arrivé à notre compagnon de route? Oh, Nelly. J'ai bien peur qu'elle soit inconsolable. Elle a le sentiment de vous avoir trahi et qu'à cause de ça, vous ne voudrez plus jamais la voir. Oh, je savais que j'avais raison à propos de toi. Une petite souris au grand cœur. Alors, êtes-vous prêts? Mais prêts pour quoi? Pour accueillir à nouveau en votre sein votre compagnon farceur, Polly le lutin. Merci, c'est gentil. Maintenant, je suis vraiment à jouer et cette fois, je suis aux normes de qualité. Oh, Polly, je peux essayer? Je t'en prie. Allez, tire plus fort! Il tiendra le coup. J'ai utilisé beaucoup plus de colle cette fois. En revanche, je dois vous mettre en garde. Quand le soleil se lèvera, la magie qui a créé ton royaume commencera doucement à s'estomper. Et si tu ne réclames pas ton trône avant que le soleil ait atteint son zénith, j'ai bien peur qu'il demeure à jamais le domaine des chats. Mais il existe un moyen de reprendre ton royaume. Et je l'ai en ma possession. C'est cette clé. Tiens! Ah, j'aimerais pouvoir vous montrer ce que j'ai en stock. Seulement aujourd'hui, j'ai pas mal de travail qui m'attend. Oh, oh, oh. Merci infiniment pour ce que vous avez fait pour nous. Vous êtes vraiment gentil. Pourquoi voulait-il nous montrer son stock? On lui a rien demandé. Et à quoi sert cette clé?